Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui, les Louis Nishmat, François Baji Ben Hana, Janine Rud Ben Fortune, Mazal Fritna, Klou, Shlomo Ben Shalom et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Brachot, Perek Zayin, Mishnah Aleph. Shlosha She'achlu Ke'echad Chayavin Lezamen. Achal Dmai, Omaser Rishon She'nitela Tumato. Omaser She'ni Ve'egdesh She'nifdu. Ve'ashamash She'achal Ke'azayit. Ve'hakuti Mezamnin Aleyen. אבל אכל פבל ומעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, ומעשר שני והקדש שלא נבדו, והשמה שאכל פחות מכזית ועד מחרי, אין מזמנין עליהן. On va avoir une Mishnah qui va être un peu longue à expliquer, on va essayer de le faire le plus vite possible, restez concentrés autant que possible. On a d'abord l'introduction au Zimoun depuis notre Perek Zayin, on va longuement parler des halachot du Zimoun. Soit, lorsque trois personnes se retrouvent ensemble pour manger, consomment ensemble, alors, c'est bien qu'il y en ait un qui fasse le Birkat Amazon pour tout le monde. Berov am hadrat melech. Lorsque le peuple s'unit, s'agrandit, alors, Berov am, avec le peuple qui devient encore plus nombreux, hadrat melech, c'est en cela que le roi est honoré. On a une mitzvah, toute bracha qu'on doit faire en théorie. Plusieurs personnes en même temps, c'est mieux qu'il y en ait un qui le fasse pour tout le monde, dans la mesure où on reste concentré, bien évidemment, à notre époque, on fait plus comme ça, parce qu'on perd vite la concentration. Mais en théorie, c'est bien qu'il y en ait un qui fasse le bracha pour tout le monde, et comme ça, tout le monde s'acquitte, ça donne plus d'honneur à la bracha. D'accord? Ça, c'est une introduction, pré-introduction au Zimoun. Et maintenant, avant de commencer le Zimoun, avant de commencer le Birkat Amazon, qu'il y en a un qui fasse pour tout le monde, quand on est trois, en l'occurrence, eh bien, on invite les autres à, on est mazmin notamment, enfin, Zimoun, on les invite à se préparer à ce qu'on fasse la bracha. D'accord? Comme ça, ça donne encore plus d'honneur à la bracha que maintenant. Ça y est, vous êtes prêts à ce qu'on fasse la bracha? Oui, nous sommes prêts. Que soit grandi Hachem, qui fasse Nevarer, Birchutrem, Nevarer, ouais, Nevarer, Nevarer, Shachan Michelo, oui, on va faire la bracha sur celui qui nous a donné à manger, et dans ce cas-là, il y en a un qui prend le verre de Kiddush, comme on verra qu'il peut faire avec un verre de Kiddush dans la mesure où on est trois, et qu'on dise la bracha, qu'il y en a un qui dise pour tout le monde. Ça, c'est le principe du Zimoun. D'accord? Aujourd'hui, bien sûr, comme on a dit, le Birkat Amazon est très long, on ne peut pas s'amuser à dire le Birkat Amazon, c'est sûr que malheureusement, on va facilement perdre la concentration, faire des petits signes aux copains et à l'autre, et on va rater des mots, donc on s'acquitte plus du Birkat Amazon. Donc on est revenu à instaurer que chacun dit le Birkat Amazon pour soi, mais on reste quand même en train, on fait quand même le Zimoun. Bien qu'en théorie, l'idéal serait de faire qu'il y en a un qui prend le verre de Kiddush, le verre du Birkat Amazon, qu'il fasse le Birkat Amazon et que tout le monde dise en même temps que lui, en théorie. Quelqu'un qui le fasse à vote avec une voix distinguée et que tout le monde le suive. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'Ashkenazim. Eux, ils attendent à la fin de chaque bracha, Baruch HaTashem, Azan et Takol. Chacun arrive à la fin, il attend. Et celui qui fait Zimoun, il arrive Baruch HaTashem, Azan et Takol, il répond à Amen et il continue. Chez les Soranim, c'est bien au moins qu'on reste, qu'on soit tous ensemble en train de faire le Birkat Amazon de manière posée. Ça donne beaucoup plus d'honneur à la bracha quand on est nombreux et qu'on fait comme ça. D'accord? Donc ça, c'est l'introduction, donc la misa de Zimoun. Maintenant, la Mishnah va parler longuement sur quoi dire le Zimoun. Précisément, si tu manges quelque chose qui est interdit à la consommation, tu ne diras pas le Zimoun. Mais si tu manges quelque chose qui est permis a posteriori à la consommation, tu diras le Zimoun. C'est de manière générale l'idée, plus ou moins, avec quelques petites précisions. Donc premièrement, achal d'maï. Celui qui a mangé du d'maï. Du d'maï, c'est une récolte sur laquelle on a le devoir de prélever le maaser midérabanan, parce qu'en fait on a un doute est-ce que ça a été prélevé comme il faut ou pas, on aura l'occasion d'étudier maaseret maï plus tard, c'est un issur de rabanan de consommer juste avant qu'on prélève, dans certaines circonstances on a le droit de manger, donc a posteriori le d'maï c'est un bon aliment, dans certaines circonstances, donc de se mettre pour tout le temps, celui qui a mangé du d'maï il fera les zimoun. De même aussi au maaser rishon chinit la tomato, de même aussi si jamais quelqu'un, un lévi est venu chercher le maaser rishon avant que le propriétaire donne le Troumat Maaser au Kohen, il est parti chercher le Maaser Rishon avant. Il n'avait pas le droit de le faire, mais en tout cas, il a pris la Trouma, il l'a prélevé. Donc, c'est un peu long à expliquer en 30 secondes. Lorsque l'agriculteur récupère toutes ses récoltes, il doit d'abord donner un 50e au Kohen. Après, il prend un 10e, il le donne au Lévi. Le Lévi, quand il reçoit le 10e, il doit prélever le Maaser Mina Maaser. Il doit prélever un 10e du 10e, donc ça fait un 100e, et donner de nouveau au Kohen. Le Kohen, il l'a reçu une fois par l'agriculteur lui-même et une deuxième fois par le Lévi, quand il a reçu sa part. Ce qui se passe, c'est que le Lévi, là, il est venu plus tôt, il a pris le maaser avant que le propriétaire donne au Kohen, et donc
maintenant, il a juste prélevé le maaser mina maaser, et il s'acquitte, a posteriori, il n'avait pas le droit de procéder ainsi, a posteriori, la nourriture est propre à la consommation. De même aussi, maaser sheni vehekdesh sheni yudou, s'il a mangé du maaser sheni, dans les années de 3 et 6, plutôt 1, 2, 4, 5, selon le cycle de 7 ans, 1, 2, 4, 5, après avoir prélevé la première, maaser, tu vas prendre un deuxième maaser, ça s'appelle le maaser sheni, que tu dois prendre une montagne en Jalaïm. Si c'est trop lourd, tu dois le racheter sur de l'argent. Quand tu rachètes sur l'argent, tu rajoutes un cinquième. Là, on parle de quelqu'un qui a racheté des fruits sans rajouter le cinquième. A posteriori, il s'est quand même acquitté de son devoir de racheter des fruits. Donc les fruits sont aptes à la consommation, même s'il a mal procédé. C'est le chidouche de la Mishnah. Même si c'est a posteriori, c'est quand même bon. Il fera quand même il pourra quand même prononcer le zimoun dessus, dire la bonne vie et la bonne dessus. Idem aussi pour le Hekdesh, lorsque tu rachètes le Hekdesh, tu dois rajouter le cinquième. Il n'a pas rajouté le cinquième. Il a quand même réussi à racheter le Hekdesh ainsi. De même aussi, là on arrive sur un autre sujet, que c'est le Shamash Sha'achal Kazait, le Shamash qui mange un Kazait. On a dit que pour pouvoir dire le Zimoun, il faut trois personnes qui mangent ensemble. Maintenant imaginez qu'on est deux, et qu'on a aussi un serviteur qui vient, qui fait des allers-retours dans la cuisine, et ça ne soit jamais mangé avec nous. Il est là, il est debout, moi je parle avec vous, on a sa table, on parle de divrei Torah, de business, chacun où il se trouve, on parle, ou de nouvelles, ou de ce que vous voulez. Et on a par ça un autre serviteur qui vient, qui fait ses allers-retours et qui mange en même temps que nous, mais jamais ça soit mangé. On pourra quand même faire le birkat hamazon avec lui, même si en théorie, il faut s'asseoir ensemble. Pour le chamash il n'a pas besoin de s'asseoir manger, il participe avec nous même s'il ne s'assoit pas. Donc dans tous ces cas, mes amis et Hélène, on fera le zimoun sur eux. Par contre, s'il a mangé des choses impropres à la consommation, en l'occurrence du tevel. Du tevel, c'est de là. C'est une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé le maaser. Ou encore, maaser rishon, shelonit la tourmato. Ou encore, le maaser rishon, duquel on n'a pas prélevé la tourma. C'est un peu plus compliqué. Cette fois-ci, on parle que le... Je n'ai pas trop rallongé, parce que sinon on va faire un cours gigantesque. Très rapidement, on parle que le Lévi, quand il est venu chercher son maaser avant le Kohen, on parle que la récolte, cette fois-ci, elle s'était déjà faite imposer de la tourma, donc le Lévi, il n'avait pas le droit de prendre, et s'il a pris avant, il doit donner d'abord la tourma, et après seulement la tourma de là. La tourma de maaser. Deux fois la tourma. La tourma que le propriétaire devait donner sur ces fruits-là, il doit le donner. Et en plus, ça a rajouté encore le dixième du dixième. Et en l'occurrence, il n'a pas prélevé la trouma, là, dans ce cas-là, c'est impropre à la consommation. De même aussi, au maaser sheni vehekdesh, shelon yivdou, encore le maaser sheni, le deuxième maaser qu'on dit qu'il fallait racheter sur de l'argent, ou le hekdesh, ce qui était sanctifié au Beit HaMikdash, qu'il a racheté sans ajouter le cinquième, mais pire que ça, il n'a même pas du tout racheté, il a racheté sur une pièce qui n'était pas, qui n'avait pas d'effigie dessus. Ou encore, vehashama shachat pachot mikazait, ou encore le shamash qui a mangé moins qu'un kazait, Vanochi et le goy. Si on a un goy qui a mangé avec nous, allez les amis, allez. J'ai oublié un mot très important dans la Mishnah juste avant, dans la partie juste avant. On a dit Shamash Achal Kazait, le Shamash qui a mangé avec nous. Je reviens dans l'air, il me manque un petit détail. J'ai pas envie de le faire tout le jour, je vous dis ça très rapidement aussi. C'est qu'on a le Kouti. Le Kouti, c'est un juif, c'est un peuple qui c'est des gens qui se sont convertis par crainte des bêtes féroces qui venaient les attaquer. Ils ont compris qu'il fallait se convertir, mais en réalité, ils faisaient encore de la voie d'Azara Besseter. C'est une grande marque dans la Gemara. Est-ce qu'ils sont juifs ou ils ne sont pas juifs? Et là, la Mishnah va selon la vie qui nous dit qu'on pourra faire le Zimoun en les associant. Par contre, comme la Mishnah me dit à la fin, le Nochi, un vrai goy, même s'il a déjà fait le Brit Mila, par exemple, mais il ne s'est pas encore trompé au Migvé, il n'a pas encore fait le Brit Mila. Parce que pour se convertir, il faut faire deux choses. Après avoir reçu sur soi pour faire les mitzvot, il faut ensuite faire le Brit Mila et après se tromper au Migvé devant un Bendin. Il a fait juste un des deux, et dans ce cas-là, tu ne pourras pas faire et mes amis ni LM, tu ne pourras pas faire le Zimoun en leur présence, parce qu'ils ne sont pas encore imposés des mitzvot. Donc tu peux faire le Zimoun avec eux, il faudra trois personnes imposables. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je te dis une journée pleine d'Atslacha comme tout, c'est là.